Je m'appelle Oussama Abou et je suis le CEO de Smart Prospective, une start-up qui est basée à Paris. Et notre domaine d'activité est très large, mais basiquement, on utilise l'intelligence artificielle au service du marketing et de la gestion d'écran à distance. On est les seuls à utiliser une idée qui est innovante, qu'on a eu, sur laquelle on a été précurseur, et qui est utiliser l'intelligence artificielle au service du marketing. Mais aujourd'hui, on est capable de produire des solutions qui permettent de gérer l'affichage à distance grâce à un ordinateur. Et où vous pouvez, par exemple, si vous avez plusieurs écrans un peu éparpillés dans le monde, pousser toute la publicité que vous voulez dans chaque écran. Le deuxième axe qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on permet aux magasins physiques de récupérer des données et des informations qui leur permettent de pousser la bonne publicité à la bonne personne et au bon moment. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça donne la possibilité aux magasins physiques d'avoir les mêmes outils que les magasins qui sont dans le web. Aujourd'hui, on a plusieurs clients, ils sont principalement basés en Europe, on est dans différents pays, on vend notre solution un peu à tout le monde. Et la vraie particularité, quelque part, c'est qu'on a essayé de créer une entreprise où, en gros, on est 80% de notre temps dans l'entreprise. Les défis, vous avez tous les défis basiques de l'entreprise, mais au-delà de ces défis communs qui sont à toutes les entreprises, notre vrai défi a été dans un premier temps technique, parce qu'on était précurseur sur quelque chose, donc il a fallu rassembler, et dans un second temps, le deuxième défi, il était humain. Là aujourd'hui, le défi, il est dans le scale-up, dans l'expansion, et c'est ce qu'on est en train de faire. On a la chance de pouvoir bien le faire, mais c'est quelque chose qu'il faut poursuivre. Si on a une idée, il faut y croire. Je pense qu'on a la chance d'être dans un continent qui est plein d'opportunités et il faut en profiter. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Mais ça serait bien vaniteux de ma part de donner un conseil. Je n'ai pas vraiment de conseil à donner.